Bonjour à tous, c'est Lord Bat et bienvenue dans Narita Boy, bienvenue dans ce nouveau monde. Alors, où est-ce qu'on est tombé encore? Comme vous avez pu le constater dans l'introduction, donc nous avons un programmateur qui s'est fait agresser par une entité informatique. Apparemment, il a oublié la mémoire et ce qui a déclenché un protocole. Et ensuite, on a vu un jeune joueur qui s'est fait, comme souvent, comme ça a dû vous arriver aussi, par sa mère en lui disant « Tu joues trop aux jeux vidéo, va te coucher, allez, arrête de jouer à ça. » Tu passes trop de temps devant ton écran, enfin bref. Donc du coup, on était parti se coucher. Et finalement, l'ordinateur s'est remis en marche, et puis un symbole est apparu. On s'est fait, on a touché l'écran, on s'est fait téléporter dans ce monde, et on n'en sait pas plus. Donc du coup, nous voici dans cette espèce de monde, un monde numérique un peu. Alors ce jeu vous rappellera bien sûr Tron, tous ces vieux films qu'on fait les belles années des années 80, tout ça fatalement. Voilà. Alors, on est donc dans ce monde. On rencontre des êtres un peu étranges, voyez, qui ont l'air un peu numériques, et qui nous disent, donc juste à temps Narita Boy, le drapeau que nous avons programmé avec la fonction de héros nous a donné une marge de manœuvre suffisante pour assembler cet interrupteur et permettre votre entrée de force dans les segments de vieux code. Cette région est peu contrôlée par les hackernautes, vous pouvez la traverser relativement en confiance. Mais prenez garde quand même, lui et ses hackernautes passent sans relâche sur les lignes de code pour tenter de vous retrouver. Appuyez sur ce bouton ouvrir la porte, à l'intérieur vous attend un module holographique carte mère. Notre mère protectrice à tous ainsi que celle de tous les programmes du royaume numérique. Ok. Elle se trouve dans la capitale du royaume numérique occupée à entretenir le trichrome en surveillant le code, prévenant les intrusions et corrigeant les bugs. Depuis l'arrivée des étalons, le code du royaume numérique est instable à l'instar du royaume trichrome. Ok. Objectif, ouvrir la porte. Ça c'est facile. Alors voilà, donc du coup, Narita Boy, un jeu que j'attendais énormément, surtout pour sa DA, je dois dire. Le jeu avait l'air très très bien, mais la DA m'avait vraiment emballé. Ça me rappelle ces vieux jeux, ces vieux films et tout, ça a été vraiment excellent. Donc du coup, écoutez, nous on se fait téléporter là. Le but, c'est de rencontrer Carte Mère, l'entité qui gère le monde. Ce monde-ci. Donc on sait pas trop ce qu'on fait là, mais comme d'habitude, on se prend pas trop la tête, on est nonchalant. Sentier de montagne. Allez, on va voir ce qui se passe. Allez, on descend. Un petit peu de tutoriel, bien sûr. Alors, j'ai joué un petit peu, bien sûr, pour me faire la main. Voilà. On craint pas les chutes.
Ça, c'est cool. Alors, vous voyez que la DA est vraiment... Alors, on adhérera, on aimera ou on détestera. Mais la DA, moi, je la trouve vraiment fantastique de ce côté-là. Voilà, pour des raisons, évidemment, de nostalgie, surtout. Et donc, voilà. Donc, voici donc, dans la grotte Trichrome, carte mère. Alors, que me dit carte mère? Ceci est un message préenregistré à l'attention de l'instance True du héros numérique Narita Boy. Ok. Je suis carte mère, le programme superviseur du royaume numérique. J'ai été conçu ligne après ligne par le créateur et mon code source émane du noyau architectural du Trichrome. C'est un petit peu compliqué, les dialogues, un peu pompeux parfois, mais bon. Je suis l'un des premiers programmes doués de conscience qu'ils ont éveillé au royaume numérique. Ah bien. Si vous entendez ce message, cela signifie que vous avez reçu notre appel et que vous avez décidé de nous venir en aide. Bienvenue. En fait, on n'a rien décidé, mais c'est eux qui nous ont téléporté un peu de force, mais bon. Ce que vous voyez est la métaphore visuelle du Trichrome. Le rayon qui émane de son noyau et les trois traits de lumière qui s'élèvent du code, source de notre royaume. Ok, très bien. Chaque rayon a une fonction bien définie et occupe une région spécifique du royaume. Chaque rayon est une entité computationnelle créant un système de programme autour d'elle. Ok. Ces systèmes sont appelés les maisons du Trichrome. Il en existe trois, tout comme il y a trois rayons créateurs. Et le rayon de la maison jaune, une région de code qui enjambe la simulation du désert, évidemment. Le rayon de la maison azur, la région de pluie éternelle et de la simulation azur. Ok, donc ça va être du bleu. Et enfin, le rayon de la maison pourpre, la maison la plus puissante et la plus perturbatrice. Le rayon de la maison pourpre est le puissant équilibre qui soutient l'architecture du Trichrome. Très bien. Mais le programme superviseur qui gérait auparavant le vidage des données, lui, donc le fameux lui, a perdu l'esprit et nous a trahis tant sa soif de suprématie sur la maison pourpre était grande. Nous l'avons vaincu et il a été expulsé du rayon pourpre par compagnie des autres programmes que l'on appelle les étalons. Mais ils sont revenus, évidemment. Voilà pourquoi nous avons fait appel à vous, Narita Boy, pour avoir... Nous avons besoin d'un héros qui puisse manier la techno-épée, la seule lame forgée par les rayons trichrome et la seule capable de détruire le code étalon. Vous devez aller au château des technopères, ce sont des programmes superviseurs qui ont forgé la techno-épée. Vous devez la leur prendre et nous libérer de la menace des étalons, tout simplement. Mais ce n'est pas tout. Lui a causé encore plus de dégâts. Eh ben, dis donc. Ça cause un peu au début, c'est vrai. Donc, mettre la main sur la techno-épée. Parfait. Pas de soucis. On vient d'arriver. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on a les informations, en fait, en appuyant sur la touche, vous voyez. Mettre la main sur la techno-épée et aller au château des technopères. Parfait. Alors, où est le château des technopères? Donc, c'est un petit peu... Alors, je pense que lui, c'est le méchant. Hein. C'est lui, le sorcier, notre ancien frère et superviseur de la maison de rayon pourpre. Oui, c'est lui. Hein. Il a engendré une énorme perturbation. Carte mère vous expliquera tout. Et vous pouvez la contacter grâce à une console holographique dotée d'un double enzible. Mm-hmm. Lorsque vous trouvez une console holographique, vous pouvez communiquer avec carte mère. De plus, le cryptage est suffisamment complexe pour empêcher les hackernautes de lui d'accéder au flux de la conversation. Ok, donc on peut parler en toute quiétude. Parfait. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Salut, carte mère. Une peine immense traverse mon code en voyant que la première des 13 mémoires du créateur a été détruite. Ce totem démoli permet d'accéder aux mémoires du créateur. Ce dernier les a dispersées dans le royaume par mesure de sécurité. Eh bien, si quelque chose devait arriver au créateur, le héros numérique pourrait plonger dans ses mémoires pour réactiver la mémoire passive du royaume numérique et mettre à jour le code source. Donc il craquerait tout, quoi. Nous en avons grand besoin parce que lui a affecté les 13 blocs de mémoire du créateur qui constituaient son réseau métaneuronal. Le créateur n'a plus le moindre souvenir. Qui explique les points d'interrogation au début dans la cinématique. Le créateur a oublié que ce royaume ne peut pas vivre sans lui. De ce fait, et du fait de la rupture proche de l'équilibre du Trichrome, lui et ses étalons nous ont à nouveau envahis. Oh, c'est ballot. Comment il a réussi à effacer sa mémoire, nul ne le sait. C'est un mystère que vous devrez résoudre par vous-même en vous y plongeant. Vous serez un psychonaute et un héros. Ok. Mais n'oubliez pas que si le créateur oublie de manière permanente, le royaume numérique sera perdu à jamais. Lui a le pouvoir de contrôler le puissant rayon pourpre qui nous assujettit tous à ses désirs les plus sinistres. Le Trichrome sera déstabilisé et nous serons tous sous son joug. Même si vous tuez des milliers de programmes étalons, souvenez-vous que seul le créateur peut éliminer totalement le code étalon qui apparaît graduellement dans les milliers de lignes du code source. Vous allez devoir trouver les 12 totems restants, assembler leur code et voyager à l'intérieur. Ce n'est qu'en les déverrouillant
que le créateur va retrouver la mémoire, alors faites vite. Une dernière chose. Fils du Trichrome, il n'est pas possible de voyager jusqu'à la première mémoire à travers ce totem brisé. Mais vous n'êtes pas forcé de récupérer celle-ci. Les 12 mémoires restantes suffiront au créateur pour se souvenir. Ok, donc ça c'est le bonus. Mais sachez toutefois qu'il existe 5 ex-disquettes, exé-disquettes de sauvegarde disséminées dans le royaume numérique. Si vous les trouvez, vous pourrez reconstituer ce dernier totem. Ok, donc challenge supplémentaire, trouver des disquettes cachées. Nous vous serons éternellement reconnaissants si vous parvenez à restaurer aussi sa première mémoire. Ok, 12 mémoires à restaurer plus une 13e. Eh ben dites donc. Alors, on fait quoi maintenant? D'accord. Alors là il y a une porte. Là, c'est une sacrée porte. La galerie de Cosmovision. J'aime bien ces vieux titres qu'ils ont pris. Salut mec. Oula. Par contre, alors ce jeu, par contre, il a une particularité. Il flash. Il flash énormément. Et donc, si vous êtes sensible aux lumières vives, aux clignotements et tout, faites attention, ça peut vous perturber. Il y a une autre option aussi qui permet de mettre le jeu en écran cathodique, en fait, qui va représenter une vision plus ronde. Je vais vous montrer. Hein. C'est dans les options. Voilà. Je désactive le filtre cathodique. Je reprends. Et là, vous voyez, mon écran, il est légèrement arrondi. Et il y a des perturbations sur le côté. Ça se voit mieux sur quelque chose de clair, vous voyez. Si vous regardez vers le bonhomme à droite, là, ça fait des petites perturbations. Et là, on retrouve un peu l'effet des écrans cathodiques d'époque. Bon, là, je l'ai viré hein, pour les besoins de la... Enfin, pas pour les besoins de la vidéo, mais il est quand même plus sympa comme ça, malgré tout. Après, c'est un choix. Alors, bonjour, monsieur. Narita Boy. Nous ne sommes pas présentés, mais programme frère et moi sommes des agents de la capitale. Carte mère nous a codé pour que nous traversions ce royaume numérique à la recherche des mystères du code source. Ok. Nous aidons aussi les programmes du royaume numérique à ajuster leur code quand c'est nécessaire. Je voulais vous mettre en garde contre ce script étalon malveillant qui surgit du sol. Le truc rouge, quoi. L'espèce de main. Sautez et esquivez-le, mais n'essayez en aucun cas de le détruire. Nous ne savons pas pourquoi, mais ce code est constitué d'infinies couches d'une complexité qui le rend indestructible. Ok, très bien. Alors dans le jeu, on peut courir, enfin, pour l'instant, je peux pas faire grand-chose et je peux sauter. Donc je saute par-dessus et j'ai bravement évité ce code étalon. Ensuite, on peut monter aussi par ces murs-là, brillants. On peut lâcher si avec B, bon, ça ne nous intéresse pas. Hop là. Alors, où est-ce qu'on va? Donc, un truc, j'ai joué un petit peu donc à Narita Boy, et un truc que j'ai remarqué, c'est que les objectifs sont pas forcément très très clairs. Donc on peut ramer un peu quand même. Bon, de l'autre côté, on se dit, le jeu vous prend pas par la main, c'est cool. Alors, attention, jeu de plateforme. Hop, hop, hop. Ça va, c'est réactif, ça bouge bien. Pâturage binaire. Je vous présente donc un mouton binaire. Bonjour, mouton binaire. Un deuxième mouton binaire. Alors ça, c'est l'accès entre le baba, c'est fermé. Un berger binaire. Alors, ah oui. Vous aurez besoin d'une techno-clé pour passer cette porte. Ces monolithes sont des emplacements cryptés. À l'intérieur est enfermé un programme séculaire aussi ancien que carte mère. Une vieille femme du nom de Baba. Qui d'ailleurs est très aimable. Eh ben tant mieux. Tous les programmes de cette région la connaissent et elle gardera précieusement tout ce qui lui sera confié. Aidez les technopères et les orateurs sacrés du portail. Objectif, aller voir Baba. Bien, enfin, pour l'instant on peut pas faire grand chose d'autre. Alors vous voyez que c'est bon, les objectifs sont... Ok, trouver l'épée, détruire le méchant, très bien. Bon. Alors, ensuite, le château des technopères. Alors, je suis où? Allô? On est où? Ah, d'accord. Zombie! Alors, voici un premier méchant donc, qui a affiché les informations. Alors, le zombie pour l'instant, voilà. Resident Evil! Aïe aïe aïe! Non, plus une main. Non, c'est donc le deuxième méchant, le zombie, pardon. Bon, ils sont un peu, hein, ils sont un peu décérébrés, bien sûr. Alors, attendez. Là, j'ai le dessin d'une techno-clé. Vous voyez, cette DA, elle est d'enfer quand même. Franchement, si vous adhérez aux tripes, c'est vraiment génial. Quoi. C'est vraiment les vieux films, les vieux trucs. B, comme bouton. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, le B bouton? Il m'ouvre cette porte. Très bien. Alors, allez. J'ai un... Ah non, mais je peux pas y aller, là. Ah, les petits malins. Ah, ils ont tout prévu. Voilà, c'est bon. Donc, on est obligé de passer par là. Alors... Là, ça coince. Hall. Donc voilà le rayon, je présume. Bonjour. Narita Boy. L'accès au jardin souterrain est interdit. Vous trouverez
la technoclé d'accès dans les niveaux supérieurs du château. Eh bien, là c'est fermé. C'est fermé, c'est fermé. Accès aux salles supérieures. Alors, ascenseur. Cet ascenseur est terrible. Ok, nous arpentons la grille du système. Ouais. Alors attendez, il y a deux portes là. Alors. Hall de l'algorithme. Bien. Alors, ça va les gars, on est oula, on est en plein trip. en plein trip. Vous voyez, ça flash hein, quand même le jeu. Et Narita Boy plonge au cœur de l'action sur le cerveau cheval, laissant derrière lui les domaines du programme Roi Cavalier Numstre. L'aventure continue pour le guerrier qui marche seul, le héros déterminé à redonner espoir à un royaume mourant, celui qui suscite autant la peur chez ses ennemis que le respect chez ses amis. Fléau des étalons. Ouais, enfin ça, on verra ça. Nous nous étions dit qu'il revenait un jour, il nous faudrait toute la puissance concentrée du Trichrome pour le résister. Et naturellement, un héros particulier venant d'au-delà du code source pour la manier. Très bien. Au fond du hall, prenez l'autre ascenseur et vous mènera à la techno-épée. Ok. D'accord. Ah, attendez. Il me dit autre chose, lui. Et Narita Boy plonge. Bon, d'accord, ok. Au fond du hall, prenez... Okay, bon. Bon, les gars, ils sont en plein trip, là. là, c'est fermé. Alors, ascenseur vers la techno-épée. Pas de soucis. Alors, ouais, ok. Monde parallèle, donc. Hein. Monde numérique, monde réel. Alors. Les pépères, là. Oula. Bon, alors, ça monte, ça monte. Regardez cette DA, elle est d'enfer, quand même. Avec ces hologrammes, là, qui... Oui, le métal. Il faut écouter du métal. Alors. Bon, là, du coup... On sait pas trop. Ah mince, c'est un trou ça. Allez, alors allez. Bon. Ah, mais d'accord, ça m'a tué net. Allez, machin rouge. Ok, alors, faut faire gaffe là. D'accord, là, le jeu vous apprend que faut faire gaffe au décor. Vous voyez que bon, l'inconvénient, si j'ose dire, de ces des petites plateformes, c'est que c'est pas forcément très très clair. C'est pas très grave. Alors. Couloir de la fondation. Et on ouvre une porte. Qu'est-ce que t'as vu le chat? Allez, halle de la techno-épée. Donc on y est dans la halle. Allez, ça fait la teuf, hein, ça m'attend, pas de problème. Alors faites voir un peu, qu'est-ce qu'on y fait là? Pour l'instant, on n'y fait rien. Bon. Bah écoutez, la techno épée là, regardez, elle est là, elle brille, enfin pour l'instant elle brille. Allez, tel le chevalier dont je vais. Allez, alors appuyez de façon répétée. Alors c'est parti. Allez, tu vas sortir, oui. Allez, oui. Joli. Allez, c'est la grosse teuf. Wouh. Ah, cette bande son est d'enfer. Ok. J'ai ma Techno Sword. Alors je peux faire home run. Alors oui, l'épée permet de faire plusieurs choses en fait. Je peux taper. Je peux aussi faire un espèce de ce qu'ils appellent home run en chargeant ma touche d'attaque en fait. Hein. Vous voyez, si je charge. Alors je passe par deux états avec ma touche d'attaque, avec mon home run, c'est-à-dire je passe. Là c'est du normal. Et si jamais je tiens encore plus, vous voyez, je passe sur un deuxième état qui me permet en fait de taper beaucoup plus fort. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, en fait. Vous voyez, home run, il me le dit. Maintenir, relâcher. Tac. Vous voyez, je maintiens, je relâche. Donc, deux états. Ensuite, je peux aussi tirer. Vous voyez, si je tire avec mon... Si j'appuie juste une fois, en fait, avec ma techno-épée, je peux donc tirer une cartouche. Les cartouches sont en haut à gauche, vous voyez. Elles se rechargent tout doucement. Alors, voilà, et ben c'est passé. Et donc j'ai un super canon aussi que j'ai pas utilisé. Couloir du Tauris sacré. Bon, on va l'utiliser là le canon.
Ouais, que là. Voilà, bah, il nous le dit d'ailleurs, hein. Fusil à pompe, rayon ultra. Donc on va utiliser le rayon ultra en maintenant la touche RT activée, voyez. Je me charge, et là, bien sûr, tous les ennemis faibles, ils passent du premier coup. Et hop, hop, hop. Là, on peut faire un peu de home run, bon, il est reparti. Alors, vous savez que le coup d'épée, au final, c'est pas le truc qui va vous servir le plus. Voilà. Alors. Bon, eux, ils sont repartis. Alors, attendez. Voilà. Et voilà. Enregistrement. Écoutez. On a récupéré l'épée. On s'est entraîné, on a les bases hein, du combat, maintenant c'est pas mal. Et bah du coup, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette session. Donc voilà, donc c'était donc l'ordre de battre hein, pour cette petite partie de Narita Boy. J'espère que ça vous aura plu. On va continuer un petit peu, on verra si on continue le jeu, si on le fait jusqu'au bout, ou si on fait juste quelques parties comme ça pour découvrir un peu tout ça. On verra bien. Voilà, voilà. Mais écoutez, c'était donc l'ordre de battre hein, pour cette découverte de Narita Boy. J'espère que ça vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous dis, portez-vous bien.